Bonjour et bienvenue aux nouveaux abonnés. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo de présentation de mon blog culinaire, togolog.com. Arrivé sur la page d'accueil, vous allez voir certaines recettes défiler tout en haut. Ensuite, les autres recettes qui sont généralement publiées sur la chaîne YouTube. Donc, toujours sur la page d'accueil, lorsque vous cliquez sur l'onglet recettes, vous vous retrouvez avec les différentes catégories de recettes qui sont sur le blog. Poisson, poulet, viande, fast-food. Donc, lorsque vous cliquez sur viande, par exemple, vous vous retrouvez avec les différentes recettes à base de viande. Et ainsi de suite, le poisson, les différentes recettes à base de poisson. Prenons l'exemple de la recette du riz au poisson. Donc tout en haut, vous avez la possibilité d'aimer, de liker la recette. À gauche, la liste des ingrédients. À droite, les différentes étapes de la préparation. Possibilité de cocher la recette lorsqu'elle a été faite. Et de visualiser la vidéo sur YouTube. Donc tout en bas, vous avez les recettes précédentes et les recettes suivantes. Donc ici, la recette suivante, c'est les yassas, viande grillée, même principe, hein? Liste des ingrédients à gauche, différentes étapes à droite. Vous pouvez partager sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Pinterest. Vous avez la possibilité de me contacter. Pour cela, vous allez à contact et vous laissez votre message, votre adresse mail. Vous pouvez aussi voir rubrique nom chef et là vous voyez les différents chefs qui ont laissé leurs articles sur le blog. Lorsque vous allez sur l'onglet recettes, vous avez la possibilité de faire des recherches par ingrédients. Ici par exemple, si vous tapez poisson fumé, vous avez la liste des différentes recettes à base de poisson fumé. Donc, vous choisissez celle que vous voulez, la sauce aux graines de noix de palme par exemple. Vous savez que cette recette, il y a du poisson fumé là-dedans. Lorsque vous cliquez sur une image, vous arrivez sur la galerie et là, vous voyez les différentes photos de la recette.